Cet homme, habillé de manière débrayée, on voit pratiquement son cinglet, qui est supposé être un sous-vêtement, pendre dehors, en train de distribuer de l'argent aux enfants. C'est notre ministre de la... Les amis, vous en conviendrez avec moi, que ce monsieur est tout sauf à sa place. Ce monsieur est tout sauf à sa place. Monsieur Kalumba Jean-Marie, le mérite qu'a aujourd'hui le pouvoir de l'UDPS, c'est celui d'avoir désacralisé l'État. L'UDPS avec ses ministres, avec ses conseillers, avec ses mandataires, l'UDPS a déshabillé l'État. L'État est nu et aujourd'hui l'État a des ministres comme M. Jean-Marie Kalumba. Les amis, comment pouvez-vous expliquer dans un pays où on parle d'une situation de dédollarisation, où les efforts doivent être fournis pour dédollariser notre économie, le patron de l'économie, lui, il s'exhibe en donnant des dollars, comme vous êtes en train de le voir, aux enfants. Je ne connais pas son salaire, mais ça c'est extrêmement choquant. Dans des pays sérieux, M. Kalumba devait démissionner. Excellence, M. le Président de la République, lorsque l'affaire des poissons a commencé sur ces plateaux, j'ai dit que le Congo a un problème avec son ministre de l'économie. Ces messieurs ne méritent pas d'être ministres. La preuve, elle est là. Monsieur s'est fait filmer en train de distribuer de l'argent comme des cacahuètes. Dans le monde où on dit que de grosses sommes doivent circuler dans les banques, dans un pays qui a des problèmes, où les fonctionnaires, les professeurs, certaines personnes, certaines professions sont en grève. Vous voyez votre ministre de l'économie, c'est lui qui est censé travailler pour que l'économie soit élevée et que les recettes rentrent, lui en train de distribuer des billets de 100 dollars comme des cacahuètes. Bienvenue au régime Tshilé-Gelou. C'est ça le régime de l'UDPS, les amis. C'est ça le régime de l'UDPS. Cet homme est tout sauf à sa place. Je voudrais ici lancer un appel pathétique au président du Sénat, M. Bahati Lukwebo Modeste. Cher aîné, vous connaissez le respect que je vous voue. L'AFDC est une mastodonte qui a des valeurs. Kalumba est en train de jeter de l'opprobre et du discrédit sur le parti de Bahati Lukwebo. Ce monsieur, sa place n'est pas au gouvernement, je vous l'ai dit.